Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, profitons-en, il n'y a personne, c'est calme, c'est parfaitement calme. On est au quartier Vidaillan et c'est la sortie de 75 km, Let's Ride with Dan, du samedi. Il est 8h54 au moment où je fais cette vidéo et je suis tout seul au meet-up adresse, à l'adresse de rendez-vous, qui est juste devant les lunettes de Fabienne, que vous voyez derrière, ma petite opticienne favorite. Je vois quelqu'un arriver en voiture avec un vélo dessus, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est donc pas venu en vélo, ça doit être Pierre. On roule donc aujourd'hui avec Pierre, avec Sylvain, avec Dan qui vient de Los Angeles, donc il va falloir, ça va être un ride bilingue, et Eh oui, c'est Pierre. Bon, il y a des mecs qui sont pas tous sérieux, mais bon, il est à l'heure, c'est déjà ça. Et puis il aura peut-être des outils, puisque comme vous le voyez, j'ai modifié un peu ma conf sur le vélo. C'est-à-dire que j'ai mis le Garmin là et je voulais avoir l'iPhone devant aussi, parce que j'en ai marre de l'attraper derrière quand la montre sonne. Et du coup, lui n'est pas assez incliné comme ceci, ça me fait un petit peu chier. Donc on va voir s'il a des outils pour modifier ça. Aujourd'hui, on fait donc 75 km, on part de Balma, on revient à Balma. Le parcours est assez vallonné et surtout, ce qui m'inquiète, bon, Pierre roule pas trop, c'est bien, heureusement. Et parce que Sylvain et Dan sont des gros ferrailleurs de l'espace, c'est-à-dire que le niveau de la sortie, même si c'est censé être une sortie cool, risque de piquer quand même un peu. Donc voilà, c'est pour ça que 75 km et pas plus, parce que je me laisse des pas très honnêtement, mais ils ne le sauront pas durant la sortie, ils le verront uniquement quand ils verront cette vidéo. Oui, je filme à l'envers et je vous emmerde. Alors, regardez comme c'est beau. Devant à droite, nous avons le jeune élégant Pierre avec du poil aux pattes, très mignon, tendance cet hiver. On the left, ladies and gentlemen, Dan, from the United States of America. Ensuite, notre petit Sylvain habituel et la gueule de con qui parle à la caméra comme d'habitude. Donc, on sort de Pimblema, tout le monde est là et on est parti à l'heure. Fabrice, si tu regardes cette vidéo, ça change. On a fait 5 km 69, mais avec les montées chiantes du début pour sortir des villes. Et puis voilà, gentiment, on se lance. Pierre est en cours, donc je suppose qu'il va se claquer les deux ligaments rotuliens dans pas longtemps. Et voilà, sortie internationale, c'est assez marrant, c'est rigolo. À toute allure. L'erreur Garmin du matin commise par Sylvain. Sylvain derrière nous qui nous a dit « Les gars, c'est à droite !» Non, Sylvain, c'est tout droit. Donc, Dan a continué tout droit, parce qu'il est sérieux. Et tout le monde a tourné à droite, donc on s'est foiré. Ça tombe pas plus mal, parce qu'on avait trois mecs qui nous suçaient là, sans dire bonjour dans les côtés. Et il fait beau! Regardez-moi ces jolis petits paysages. Donc, j'enlève ma route. Je vais remettre ma route, en fait. Il nous reste 60 petits kilomètres, gentiment, sûrement. Tout va bien. Pierre, ça va? Ouais, Pierre a l'air d'aller bien, mais bon, vite fait quand même. Hein. Et donc, ça va bien se passer. Des bisous, à tout à l'heure. Vous connaissiez la série, il fallait pas l'inviter. Aujourd'hui, c'est Sylvain qui se plie à l'exercice. Malgré des chaussures avec un K dessus, c'est très bien, mec. Il a tout simplement sa selle. C'est ça, ta selle s'est dévissée? Ouais. Voilà. Donc, des excuses pourries pour pas être devant dans les côtes, tout ça. Dan, par contre, va nous mettre une grosse branlée aujourd'hui, je pense. Ouais, on a un vrai problème. Ça marche pas? Non. Voilà. Ah, et c'est pas une selle qui tourne en plus, c'est une droite. C'est une, ouais. une fuselée ouais, bizarre. C'est pourri, hein. Ok. Bah, tu resteras en danseuse tout le temps et puis c'est tout. Ouais, c'est beaucoup. Mais... J'ai remonté hier de 2 mm. Erreur grave. Fuck. On est à peu près point parcours, puisque tant qu'à y être. On a fait 16 km, il en reste 60. Ton avis, monsieur. Ça va le faire. Mais le temps est magnifique. Hein, on est à Milanta carrément. Normalement, on part là et on monte ici. Et là, on croise, on va tout droit. Et voilà. Ce parcours me dit quelque chose. Je crois que je l'ai déjà fait en fait. Avec Fabrice, justement. Il fait toujours beau, il fait toujours chaud. On a fait 27 km 500. On est maintenant dans des petites routes. Petites. Je sais pas comment dire autrement. Des à peine carrossables, vraiment minuscules, vraiment dégueulasses. Vous voyez peut-être, mais vous entendez super mal aussi. De fait, ça tape le cul, c'est cool. And this is once in a lifetime opportunity, Dan is behind me. Mais non, sinon ça va. Not for long. Not for long. Ce mec est horrible. Et donc voilà, donc, voilà pour le beau
leitmotiv de la journée. Et il nous reste encore 48 km. Et en fait, j'ai déjà fait cette sortie avec Fabrice, justement. Je crois que je vous l'ai dit dans le rush vidéo précédent. Mais j'avais pas aimé cette sortie la première fois, et on roulait tranquille, entre guillemets. Là, on roule un peu à WEC. Enfin, un peu à WEC. On est à... Si, on a une petite moyenne à 25 quand même, c'est pas dégueu. Et ça fait mal, voilà. Un gros virage arrive, je vous laisse. Bon, comme je disais tout à l'heure, this is one in a lifetime opportunity quand Dan était derrière moi. Je mets pas l'accent, il est pas là en ce moment. Et là, donc je suis avec Pierre qui est mon copain sur cette sortie. Et les deux, Zigoto, alors avec le grand angle, je sais même pas si vous les voyez, c'est deux points au bout là-bas. Il y a juste eu un petit faux plat. Et ils se sont dit, bah, allez, feu. C'est trop mignon. Dan est trop chaud barquette. Et moi j'ai plus de jambes à force d'être de côté quand je tiens la caméra. Pierre ? Ça va, ça va. Arrête de mentir. On a chi. On a chi. On a fait 32 km, il en reste 43. Pour être parfaitement franc, en partant ce matin, je me suis dit, bah, s'il faut, j'en ferai 25 de plus en rentrant, je ferai mon 100K pour faire le grand fondo. Rien à voir avec 100K de Rasta Rocket. Et non. Définitivement, je vais arriver, je vais manger mes pâtes et on va tourner le podcast XXL. Totalement mort. Bisous. Un moment fabuleux, je parle de près. Sylvain a donc tout... Sylvain nous fait chier cette sortie. Sylvain cherche donc une clé torse et donc du coup, pas de plus logique que de demander à des gens qui coupent des arbres s'ils ont des clés torse. La barre des 50 km est maintenant franchie. Il nous reste donc 25 km. Si vous faites le calcul, puisqu'on fait 75 bornes aujourd'hui, je suis à contre-jour, la vidéo doit être dégueulasse, ce n'est pas grave, puisque dans tous les cas ce n'est pas intéressant. Il fait beau, toujours pareil, c'est le point beau temps de la journée. Dan est derrière. Et Pierre aussi. Sylvain est à côté de moi, on discute, on discute. J'avais oublié de lancer une activité sur l'Apple Watch. Ce qui fait donc que ça me fait chier. Et c'est ce qu'on disait, c'est que vivement que Activity sache gérer toute seule, ben, quand il y a justement des calories créées, dépensées via une autre activité, les intégrer automatiquement, même si l'application est mal codée comme Strava. Ça serait pas mal. Vivement aussi qu'Activity devienne un espèce de fitness center où chaque personne peut se classer, se comparer avec ses copains. Voilà, il fait beau, le point météo, les oiseaux chantent, il y a des jolies maisons, putain, il y a des jolies maisons, la route est cool, il n'y a pas de voiture, et pour une fois quand je le dis, aucune voiture ne passe derrière, c'est vraiment bien. Sylvain, un petit point? Ça va, un peu bas, un peu... Ah oui. Oui, le point sel de Sylvain. En fait, dès qu'il est en descente, la selle descend, c'est une selle adaptative, descente, je descends. Mais à monter, remonte pas, il manque une petite partie d'algorithmique. Pierre ? Dan, how are you ? Très bien ! Dan is très bien ! Et voilà pour cette jolie sortie. On est de retour à Balma. Alors je suppose que là j'ai le soleil dans la gueule, donc je vais me mettre comme ça. On est de retour à Balma, disais-je. On a fait 76 km. Toi un peu plus, tu dois être dans les 80 par là ? 82. 82. Toi, t'es parti d'ici puisque t'es venu en voiture. Et Dan, le temps de rentrer chez toi. 80 km, 80K probably. Plus your 52 miles, so yeah, 80K. 52 miles, c'est un américain, on compte pas. La sortie était super cool. Moi, il m'a fallu du temps pour chauffer parce que les deux zigotos là ferraillaient comme des tarés. Pierre, à ton avis? Pareil pour moi. Ouais. Pareil pour toi, un petit peu de temps pour chauffer, c'était cool. Sylvain? Ça va, c'était bien. Do you have something to say? Was it great? It's great fun. Yeah. Good times. Do it again. Donc la semaine prochaine on essaiera de faire normalement un, enfin peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après on verra, de faire un 100K, le Grand Fondo, le January Grand Fondo et le February Grand Fondo, le January il est déjà fait. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous, j'espère que vous avez kiffé ça, j'essaierai de vous mettre des petites photos, mais comme j'étais un peu à l'agonie, il n'y en aura peut-être pas tant que ça non plus. Et puis des gros bisous, à très vite, il fait beau, j'essaye de poster ça aujourd'hui, donc il fait beau ce week-end, sortez de chez vous, allez faire du vélo, baladez-vous. Et si vous êtes en voiture, mettez vos putains de clignotants quand vous doublez des cyclistes. Des bisous, ciao ciao.